Bien-aimés frères et sœurs, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous croyons que par la grâce de Dieu, vous vous portez bien. Nous sommes aussi bien portants par la même grâce de Dieu. Eh bien, aujourd'hui, nous voulons vous exhorter sur la prière qui change les choses. Parce que en pareil cas, surtout dans des temps aussi difficiles, nous avons besoin de recourir à la prière. Car la prière est une grande puissance donnée aux enfants de Dieu. La prière change les choses, la prière change les situations. C'est cela notre exhortation de ce jour. Alors nous allons lire deux passages dans les Saintes Écritures. Nous lirons d'abord dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe chapitre 38. Et là nous lirons les cinq premiers versets. Nous lisons, « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. « Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. » Ça, c'est le premier passage. Nous lisons le deuxième dans Philippiens chapitre 4. Là, nous lirons le sixième et le septième verset. Nous lisons, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc, c'est cette exhortation, je voudrais montrer que la prière, chaque fois que nous recourons à la prière, nous devons avoir confiance en Dieu. Nous devons avoir cette assurance que quand je parle à Dieu, Dieu écoute. Quelle que soit la situation qui m'arrive, si j'ai recours à la prière, Dieu est capable de changer cette situation. Vous voyez la scène que nous avons lue dans Ésaïe 38. Là, c'est le roi Ézéchias qui devait mourir. Et il y avait un ainsi dit le Seigneur qui était sorti. Un prophète majeur, le prophète de la trappe d'Ésaïe, est allé lui annoncer la nouvelle. C'était une mauvaise nouvelle, une triste nouvelle. Il lui a dit, mais donne des ordres à ta famille, car tu vas mourir. Et quand le prophète est parti, Ésaïe s'est tourné vers Dieu. Il a pleuré amèrement, il s'est repenti. Il a demandé à Dieu, il a parlé sincèrement à Dieu. Et sa prière a fait que Dieu change sa situation. Dieu change des décisions. Et le même Dieu qui avait envoyé le prophète Ésaïe lui annoncer la mort, c'est le même Dieu qui parle encore à ce même prophète, va cette fois-ci dire à mon fils Ézéchias, que j'ai écouté, j'ai entendu sa prière et j'ajoute 15 années à ses jours. Vous voyez, qu'est-ce qui a amené ça? C'est la prière, c'est la prière qui a changé les choses. Ici, je vais lire les déclarations du prophète pour vous montrer qu'il nous soutient ça. Nous devons recourir à la prière. Quelle que soit la situation, allez dans la prière et votre prière la fera que la situation qui est compliquée puisse être changée. Je lis dans le message « Les œuvres que je fais » prendre des témoignages de moi. C'est un message que Frère Branham avait prêché le 13 avril 1951. Je lis le paragraphe 7. Je lis le prophète. Il dit ceci. Et si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi. Donc c'est une grande chose quand vous priez pour quelqu'un. Et je vous dis même à vous qui me suivez, si vous voulez me faire quelque chose de bien pour moi, je le dis comme mon prophète le dit, priez pour moi, c'est une chose qui me fera du bien. Parce que votre prière peut faire qu'une situation, peut-être une maladie, quoi comme ça,
puisse me quitter et qu'une situation puisse changer, une situation mauvaise puisse changer et devienne une bonne situation pour moi. Donc, le Branham recommande ça. Il dit, si jamais vous voulez faire quelque chose pour moi, quelque chose qui me fera plaisir, priez pour moi. C'est la seule chose que je veux que vous fassiez. Priez pour moi. Parce que je sais que la prière change les choses. Il dit, elle change même la pensée de Dieu sur des choses. Elle change le programme de Dieu. Le croyez-vous? Dieu peut dire une chose. Ça va arriver comme cela. Et la prière va changer sa pensée là-dessus. C'est déjà arrivé. Vous rappelez-vous quand Ézéchias allait mourir et que le prophète s'est rendu à lui et lui a dit de mettre sa maison en ordre. Ézéchias tourna son visage contre les murs et pleura. Il pleura amèrement devant le Seigneur. Et il dit, Seigneur, il avait marché devant lui toutes ces années-là avec un cœur intègre. Et il voulait qu'on lui ajoute 15 ans. Et le prophète était déjà parti, Isaïe, il était déjà parti. Mais l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète et il a dit, rentre lui dire que j'ai entendu sa prière. Ceci nous encourage. Dieu entend toujours nos prières. Quand vous priez, rassurez-vous qu'il y a quelqu'un, il y a une oreille attentive. C'est Dieu qui nous a recommandé la prière. Pour n'importe quelle situation, mets-toi à genoux, prie. Et quand tu pries, rassure-toi, sache qu'il y a quelqu'un qui m'écoute. Et c'est Dieu qui t'écoute. Et quand Dieu écoute, il répond, il t'exauce. Et ta prière-là changera ta situation. Alors, et Dieu a ajouté ces années. Il a ajouté 15 ans à la vie d'Ézéchias. Je vais lire encore un autre passage. C'est dans le message « L'ange de l'Éternel ». Le frère Branham avait prêché le 2 mai 1951. Au paragraphe, il dit ceci. Et à ma connaissance, au mieux de ma connaissance, et tous ceux qui sont venus devant moi pour que j'ai prié pour eux, il n'y a jamais eu de toute ma vie une seule fois dont je peux me souvenir où j'ai prié pour les malades après avoir nettement vu en vision et que je leur ai dit que le Seigneur les avait guéris sans qu'ils soient guéris. Eh bien, je n'ai jamais vu cela. Voyez-vous, je n'ai jamais vu cela. Souvent, j'ai vu des gens à l'estrade et je savais qu'ils allaient mourir. Ça devient sombre autour d'eux. Et je sais qu'ils ne feront pas longtemps. Et je peux dire, allez et que le Seigneur Jésus vous bénisse. Allez, ayez foi en Dieu. Eh bien, peut-être qu'il me montre que telle personne, la mort est sur elle. Et je ne peux pas vaincre cela. Peut-être que je pouvais m'asseoir avec cette personne-là pendant quelques minutes, quelques instants, lui parler, consacrer un long temps, voyez, 20, 30 minutes parfois, une heure, juste parler à la personne jusqu'à ce que Dieu montre la vision. Il dit alors, quelque chose peut être dit à cette personne qui l'amènera à se repentir et quelque chose qui est peut-être une promesse qu'elle pourrait faire à Dieu, qui l'amènerait à trouver grâce au Dieu de Dieu, pour qu'il le guérisse. Car souvent, Dieu proclame quelque chose et puis il change d'avis là-dessus. Savez-vous cela? Une fois, un prophète a dit au roi qu'il allait mourir. Vous rappelez-vous cela? Et le prophète, après avoir transmis son message, ressortit directement de la pièce. Et le roi tourna le visage contre le mur et pleura amèrement. Voyez, en disant, Seigneur, je t'en supplie, j'ai marché devant toi avec un cœur pur. Ainsi donc, il voulait que sa vie soit épargnée pendant 15 ans. Quelque chose comme ça. Et pour glorifier Dieu, les prophètes étaient déjà partis, mais l'Esprit du Seigneur est venu sur le prophète après que Dieu lui ait déjà dit qu'il allait mourir. Il dit, rentre. Et le prophète lui a dit que dans 3 jours, descendrait de son lit, car Dieu avait exaucé sa prière. Voyez, frère Branham dit, la prière change donc les choses. N'est-ce pas vrai? La prière change les choses par ce conséquent. Donc, je demande alors aux gens de se mettre à prier, car cela
peut changer. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je peux m'arrêter parce que je voudrais que ce soit des exhortations brèves qui vous touchent directement. J'ai beaucoup de déclarations du prophète ici. Et retenez tout simplement que la prière change les choses. Si vous avez un problème, allez dans la prière. Dieu exauce les prières. Dieu, quelle que soit la situation, ta prière avec foi, une prière faite avec foi, changera les choses. Eh bien, je vais prier pour que Dieu vous donne cette foi-là. Seigneur Jésus, j'ai des auditeurs, les gens qui m'ont suivi, oh Père Tout-Puissant, par la voix des ondes, par la voix des ondes de l'Internet, les enfants m'ont suivi, Seigneur. Je te prie, oh Père Tout-Puissant, d'accorder à chacun la foi, une grande foi, et surtout, chaque fois qu'il a des problèmes, qu'il puisse recourir à la prière, car la prière change les situations. J'ai demandé ainsi, au nom de Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.